Salut à tous les amis. On espère que vous allez bien. Et oui, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale que vous attendez. Parce que aujourd'hui, je fais un concert. Donc là, on s'est fait dévaliser. Regardez le stock. Ouais. Normalement, en concert, on vous ramène des pulls, des t-shirts, tout ça. Ouais. Là, on a fait une valise, on a mis tout ce qui restait. Ouais. Il nous reste presque plus rien ici. Ouais. C'est incroyable, vous nous avez dévalisé, on a ramené des albums, tout ça. Peppa Pink est déjà en train de tout de remplir dans la voiture. Elle a déjà choisi sa tenue, ça va être incroyable. C'est bon, là, les amis, nous sommes à Blandec. Oui. Et regardez là-bas, il y a déjà des abonnés qui sont ici, vous font coucou. Regardez, attendez, on va zoomer parce qu'ils sont loin là-bas. Oui. Donc on va rentrer dans la salle, ça va être l'heure des répétitions. Donc t'es prête? C'est parti, oui. Allez, vas-y, on y va. Et aujourd'hui, on vous montre rapidement, mais on est suivi par... Une équipe de télé pour un reportage. Peppa Pink est là aussi. Ça va. Alors t'as vu, il y a déjà des abonnés qui nous attendent. Ils ont l'air d'être contents là. On a retrouvé Jérémy qui est là, qui va filmer. Parce qu'à chaque fameux Jérémy. Il y a plein de gens qui peuvent pas venir au concert. Ouais. Du coup, Jérémy vient à votre place pour vous filmer le concert. Donc là, on va vous montrer la scène. La scène là, on est dans les loges. Franchement, elle est pas mal la scène. Ouais, la scène, franchement, c'est dans une salle de sport. Bon, les amis, vous avez vu, là, c'est les répétitions, les derniers préparatifs. Et apparemment, il y a 650 places. Donc, c'est vraiment pas mal, que des places assises. J'espère quand même qu'il y aura des abonnés qui vont se lever pour chanter devant la scène en mode gros concert. Mais bon, la scène est vraiment cool. De toute façon, Lireuse va s'entraîner, vous verrez ça tout de suite. Donc, hâte que ça commence, en tout cas. Ça va être son tour. Oui. Tu veux commencer sur laquelle? Il y en a 5. Ouais. Je pense qu'on va faire dans l'ordre. En vrai, si c'est plein, ça va être un peu impressionnant. Là, il est pas encore allumé. Non, il est pas encore allumé. Okay. Mais si c'est plein, en vrai. Voilà. Répète terminée, ça s'est bien passé. Ouais, ça va. Bon, c'est des titres qu'on a déjà chantés. En fait, il n'y en a aucun que tu n'as jamais chanté. Aucun. Pour ça signe. Alors, cette photo, est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on l'a prise? Ouais, on l'avait prise à La Voix du Nord. La Voix du Nord, c'était un journal qui avait pris cette photo pour faire un article sur nous. Et en dessous, c'est quoi? Tu vas montrer? L'album, Bubblegum. On commence à déballer un petit peu le merch. Regardez, il y a plein d'abonnés qui sont déjà là. Ils sont ici, ils attendent Lily Rose. Bon, pour l'instant, je dois me cacher un petit peu aussi parce que je peux pas trop me montrer avant le concert. Vous faites coucou? Coucou. Voilà la fine équipe. Lily Rose, oui. Le merch, là, je pense qu'on va tout vendre. C'est incroyable. Là, il faut pas qu'elle sorte. Moi, je suis sorti. Tout à l'heure, les amis, je suis sorti pour aller chercher des sandwichs avec Valentin. On a fait que des photos, on est resté bloqué 10 minutes. Là, au merch, il y a une queue incroyable, une file d'attente. Enfin, j'ai jamais vu ça avant un concert. Merci d'avoir répondu présent, vous êtes vraiment une communauté de fous. Et du coup, Lily Rose, elle est punie, elle ne peut plus sortir parce que si elle sort, ça va être une... Bah après, ça va, la loge, elle est bien. Ça va être une giga séance de dédicace. Donc voilà. Et là, après, on va faire une petite interview pour France 3 parce que je rappelle que si on est ici... Bah, c'est parce qu'il y a eu des inondations, il y a eu plein d'inondations dans cette ville. Et du coup, tout l'argent du concert, bah, ça va être pour les gens qui ont subi des inondations. Donc c'est super cool. Regardez, elle est en tenue. Par contre, j'ai pas de quoi. Ah mais moi aussi, attends. Ils ont peut-être pas vu ma tenue du jour. Regardez cette salopette incroyable. Et là, montre ta tenue. Ah ouais, elle a pas de ceinture, du coup ça tombe pour l'instant. Ouais. C'est la même tenue que Valras. Il y a un concert, mais... Malheureusement, les révisions continuent. Ouais. T'as des interrogations demain? Oui. Des évaluations? Ouais. Donc elle doit tout réviser avant de passer sur scène. Là, ça va, on a le temps. C'est quoi? C'est de l'italien. Vas-y, une petite phrase en italien. Venezia e un città romantica. Ok. Bon, allez. Oui. Je peux me permettre de faire Alors, on est avec une abonnée qui a fait 4h30 de route pour venir nous voir. Alors, comment tu t'appelles? Gaëlle. Et en plus, Gaëlle, regardez, montre un petit peu ton t-shirt. Le t-shirt quoi coupé, ça c'est même pas, pas en vrai celui-là. Il est mieux que celui-ci, franchement. Et le pull, incroyable aussi. Regardez-moi ça. Le pull Pink Lily. C'est un cadeau d'anniversaire de 10 ans. C'est incroyable, avec la pochette de bubblegum dessus. Et qu'est-ce que tu as ramené, Gaëlle, aussi?
Les ours. Ouais. C'est le moment coiffure maintenant. Alors, qu'est-ce que tu vas lui faire? On va pas faire des tresses africaines complètes. Ah, tresses africaines mais incomplètes. D'ailleurs, ça fait longtemps que les gens ne t'ont pas vu. Ils se demandaient si t'avais disparu. Je suis la maman de l'ombre. Très rare, elle est devenue très rare sur la chaîne YouTube. C'est ça. Mais bon, bon bah nous on se retrouve pour le résultat parce que là ça va prendre 30 minutes au moins. Ouais, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Bon allez, let's go. Oh là là, le maquillage, montre la coiffure. Bah, c'est... Voilà, elle a fait un petit Qui est-ce qui t'a fait ça? C'est... Bah, non mais non, non. Maman, le petit note derrière. Voilà. Non mais c'est pas grave. La fille qui fait des belles petites tresses. Et c'est quoi ces taches là sur le visage? C'est des paillettes. Des paillettes, et qui t'a mis ça? Théo. Théo qui est juste là-bas. Et de dos, on dirait que c'est les trois mêmes personnes. Je m'occupe. On dirait que c'est des sosies de Théo Lavabo. Non, c'est moi qui suis leur sosie. Oui, c'est vrai, on sait pas qui est le sosie de qui. C'est vous qui êtes mes sosies. C'est vrai, si on remonte, c'est ça. Non, en fait, non, on est trois personnalités différentes. Venez, mettez vos têtes en arrière et on se retourne tous les trois en même temps. Regardez, allez. Regardez là-bas. 3, 2, 3. Lily Rose va monter sur scène dans 2 minutes. Là, d'ailleurs, on devrait même pas être là, mais on prépare le prank de dernière minute. Je vais monter sur scène avant Lily Rose pour faire croire qu'elle est tombée malade et qu'elle ne pourra pas chanter. Et tous les gens, et sinon c'est monsieur qui va aller à sa place. Et on va faire semblant. Je vais dire, Lily Rose, elle est tombée malade, elle peut pas monter. Mais bon, si vous faites assez de bruit, elle pourra monter. Tout le monde a cru au prank cœur du début. Purée. Bon, tu t'es un peu trompé. Oui, à la fin sur la musique que je le mieux connais. Tu t'es un peu trompé sur quoi couper pour les paroles. C'est tellement les paroles. Oh, bah, voilà, t'as laissé les gens chanter. Ouais. On a récolté les pancartes. Attends, c'est là. Ah, aujourd'hui, elle est trop belle. Aujourd'hui, il y a eu plein de pancartes. Ouais. C'est d'habitude, on a. On va faire, je pense qu'on va commencer à faire une pièce à plat. Bon, bah ça s'est super bien passé. Il y a même eu des dessins. Regardez, c'est le cousin qui a ça. Regardez-moi ça. Bon, on lira tranquillement à la maison. Parce que, bon, il y a peut-être des messages. Des petits messages. Ouais, merci beaucoup. Si vous voyez cette vidéo, que vous avez participé au concert, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Merci pour les dessins, merci pour les cadeaux, pour les pancartes. Ouais. La séance de dédicace à la fin du concert. Et j'ai même eu une dernière surprise. C'est quoi? C'est Je t'aime Lily. De la part de Lola, un petit porte-monnaie. Merci beaucoup. Bon, maintenant place aux dédicaces. Mais bon, on a besoin d'un peu de sécurité parce que là, la file est énorme. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Attendez, regardez. Ça, les gens qu'on voit, on a du mal à les voir en vidéo. Se passe très bien, on fait plein de photos, même ma mapping fait des photos, tout le monde. Là, il y a encore une file d'attente assez longue. Donc on va terminer ça et on va y aller parce que demain il y a école. Les amis, regardez tous vos cadeaux,
Là, on vient de terminer, on a fait une bonne heure de dédicace là. Ouais. On va vous montrer tous les cadeaux. Peut-être qu'on fera une vidéo exprès sur les cadeaux des abonnés. Ouais. Parce que là, on en a reçu tellement. On fera peut-être une vidéo spéciale. Là, on remballe. Ouais. On va aller manger. Tout le monde est déjà parti. Et bah merci d'avoir suivi ce vlog, il y a eu des belles images, il y a eu beaucoup d'ambiance comme on aime. Donc merci Blandec, merci à tous les abonnés qui se sont déplacés. On se voit bientôt sur YouTube ou dans la vraie vie. Allez, ciao à tout le monde.